Bonjour, yéba tout le monde. Alors aujourd'hui j'ai eu envie de vous parler d'un risque. Alors ce risque il est fictif mais il peut être réel, hein. C'est le risque de ne plus voir en fait autour de soi, d'être aveuglé. Vous pouvez être aveuglé par vous-même ou aveuglé par une chose, bref quelque chose qui vous accapare tellement l'attention que vous n'arrivez plus à voir ce qu'il y a autour de vous. Alors pourquoi est-ce que c'est un risque potentiellement majeur ça? Bah, parce qu'il y a un effet domino qui est conséquent. Vous avez à travers ça bah, les risques de votre vie de tous les jours en fait et tout ce qui est attenant au risque de vos vies de tous les jours. Parce que ne plus voir, c'est manquer de réactivité. Dans la société où on est actuellement, on ne peut pas ne pas voir. Il faut être très responsable et être capable de voir parfois même par transparence. Mais bon, si j'en viens à des façons un peu plus simples, je dirais que le risque premier, en fait, il est psychologique et il est émotionnel. Même si j'ai dérivé un peu, ce risque psychologique de ne plus voir autour de soi, en fait, c'est bah, de plus voir ce qui nous rendait heureux et ce qui nous rend heureux et parfois juste autour de nous. La difficulté, c'est que malheureusement, parfois, à force de le voir, nous ne le voyons plus. Et oui, c'est la première des difficultés. Donc, en fait, il faudrait s'efforcer ben, de se reconcentrer sur soi-même et s'efforcer de voir, en fait, ce qui est directement devant vous, que vous ne voyez plus et qui pourtant peut vous amener beaucoup de satisfaction personnelle. Donc, en quelque sorte, ça s'appelle la simplicité. Voilà. Regardez autour de vous, restez simple. Et voilà, délecter l'environnement, délecter les bons moments, délecter la famille. Et voilà, amusez-vous, y est pas attitude, y est pas la life. En tout cas, prenez soin de vous. À bientôt!